Ce sont plusieurs localités dans les départements de Daloa, Issia et Zougoube qui ont été visitées par le président du conseil régional du Haut-Sassandra, Alphonse Djegye Madi. Dans ces localités, il a pu constater l'état d'avancement de plusieurs réalisations en faveur des populations. 9 écoles primaires, 5 collèges, 4 centres de santé, 3 logements de maîtres, de sages-femmes et de médecins, 66 km de route reprofilées, 4 marchés de 6 à 8 travées. Coût total des réalisations, 190 millions de francs CFA. À l'issue de ces visites, Alphonse Djegye Madi a échangé avec les populations. Il a profité pour rappeler à certains entrepreneurs la nécessité de travailler avec sérieux au risque de voir leur contrat résilié. En marge des visites de chantier, le président du conseil régional du Haut-Sassandra a procédé à la pose de la première pierre du pont de Liabo dans le département de Zougoube. La construction de ce pont, dont le coût est évalué à près de 58 millions de francs CFA, est très attendue par les populations. Il permettra de désenclaver un vaste ensemble de 11 villages avec une population estimée à 15 000 âmes.